Vous êtes ici à un petit peu plus de 1000 mètres d'altitude et nous nous situons à 5 minutes du centre-ville de Chamonix. Moins d'une heure de Genève. Le parcours est ouvert de mi-avril jusqu'à mi-novembre. Ce qui est exceptionnel sur ce parcours, c'est la vue du Mont Blanc omniprésente. Vous l'aurez sur quasiment tous les trous. Et on est entouré par des montagnes avec des paysages à couper le souffle à chaque trou de golf. C'est un parcours 18 trous signé Robert Trent Jones Senior. Un cadre juste exceptionnel et un parcours très challenge. Nous avons aussi des installations d'entraînement qui sont relativement exceptionnel avec un trackman, avec un double practice, deux putting green, un pitching green également vous accueillera sur le practice du fond dans un cadre de rêve. Donc que ce soit pour découvrir l'activité, pour vous échauffer ou vous entraîner, vous aurez une structure qui répondra parfaitement à vos attentes. Nous avons une rivière qui traverse la totalité du parcours, donc qui s'appelle l'Arve. Elle a une largeur à peu près d'une dizaine de mètres. On a de nombreux ruisseaux qui jalonnent le terrain, qui sont aussi forcément des obstacles de jeu, mais qui agrémentent le parcours par le bruit des ruisseaux, la possibilité d'y voir des truites, des écrevisses. C'est juste incroyable dans une situation exceptionnelle. Un des plus beaux trous pour moi au golfe de Chamonix, c'est le trou numéro 9 parce qu'il a un départ surélevé avec une magnifique vue sur le fairway, sur le lac du 8 et sur toute la chaîne du Mont Blanc. Donc non seulement c'est un plaisir pour les yeux, mais un gros challenge pour le golf avec un départ qui est juste exceptionnel. Nous nous situons sur une superficie de 42 hectares avec des fairways qui sont relativement étroits. Certains sont des couloirs assez impressionnants. Les greens sont très bien défendus, pour la plupart légèrement surélevés. Donc le challenging sera sur l'attaque des greens principalement. Sur le golf, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour passer un superbe séjour. L'hôtel Le Labrador, qui est juste sur le trou numéro 9. Vous avez également le restaurant La Cabane, restaurant gastronomique à disposition également des golfeurs. Et notre clubhouse dès l'arrivée du 18 pour une restauration de qualité avec des produits frais, des plats régionaux, avec une terrasse également avec une vue imprenable sur le Mont Blanc. Alors nous avons à proximité immédiate du golf le télécabine de la Flégère. On peut y accéder très facilement et ça permet de monter à la Flégère et au lac Blanc, qui est une des randonnées les plus célèbres de Chamonix, et avec une vue magnifique sur toute la chaîne du Mont Blanc.